Théo, alors on a le sourire, j'imagine, du côté de Tubis ce soir à l'issue de cette rencontre. On peut dire que c'était la soirée parfaite. Vous avez gardé le zéro derrière et enfin cette première victoire. Ouais, et puis on a réussi à marquer les buts. Parce que dans le jeu, je pense qu'on était pas mal les derniers matchs et on n'arrivait pas à marquer. Et là, le fait d'avoir marqué, ça nous a donné de la confiance et on a réussi à garder le zéro aussi. Donc ça, double dose de confiance aujourd'hui et contre une belle équipe quand même. Qui, voilà, on était très heureux dans le vestiaire après le match d'avoir gagné. Soulagement, j'imagine, et grosse prestation de votre part. Voilà, le gardien, il sert à ça. Vous sauvez vraiment peut-être le moment du match le plus important. Hein. Ouais, bah après, c'est mon rôle. Le coach des gardiens avait vu des choses. On a travaillé en semaine sur ça. Et puis voilà, c'est-à-dire qu'il fait des bonnes analyses et on a bien travaillé. J'ai réussi à mettre en exécution ce qu'il voulait, donc je suis content. Parce que c'est vrai, cette grosse cylindrée, il y a quand même des joueurs très dangereux là, qui peuvent vraiment faire les actions individuelles tout seuls. Il y a quelques très très bons techniciens. Défensivement parlant, comment ça se passe avec votre défense? Vous les commandez beaucoup? Vous parlez beaucoup? Ouais, on en discute déjà la semaine. Après, sur le terrain, c'est surtout des réglages de position ou des choses qu'eux ne voient pas et que moi, je suis derrière eux, j'essaie de voir aussi. Donc voilà, on apprend aussi à se connaître, à jouer ensemble. Il y a des Maxence qui est arrivé, Steve qui est arrivé aussi, donc des choses à apprendre ensemble, mais bon, je pense que de match en match, c'est de mieux en mieux. Et voilà, maintenant, il faut qu'on arrive à faire une série pour se donner de l'air aussi. C'est vraiment le genre de résultat, avec la manière avec laquelle vous avez joué, qui peut vraiment vous lancer cette saison, parce qu'on peut dire que la saison de Tubis commence maintenant. Hein. Ben, j'espère, c'est le but. Hein. Après, voilà, notre championnat, notre début de saison, il est ce qu'il est, on ne va pas revenir dessus. Mais voilà, il faut qu'on serve de ce qu'on a fait de bien, de moins bien, pour avancer maintenant. Voilà, on ne peut plus revenir en arrière et il faut qu'on passe un gros championnat parce que le championnat est très relevé. Alors, voilà, cette victoire, elle est là. Ce serait bien d'enchaîner maintenant sur la Coupe de Belgique avec un rendez-vous très important pour vous puisque vous retrouvez vos anciennes couleurs. J'imagine que les téléphones vont fonctionner cette semaine. Ça va fonctionner, oui et non, parce que... ça va se chambrer un petit peu au début, mais c'est surtout un plaisir de se revoir. Voilà, j'ai encore des bons contacts dans le club, donc je suis content de retourner si vite. Voilà, maintenant, essayer de montrer ce qu'on a fait de bien aujourd'hui contre une équipe qui est en pleine bourre en D1. Donc voilà, on va jouer avec nos armes et voilà, on n'a rien à perdre de toute façon. Il y a la magie de la Coupe qui fait parfois son petit effet, mais c'est vrai que Moucron est très très bon cette saison et il le prouve. Hein. Ouais, voilà, après nous, on n'a rien à perdre, on va y aller, on va jouer notre chance et puis advienne ce qui pourra. Sadio, à nous deux. Alors, le sourire, j'imagine, en sortant de cette rencontre. Je sais que les coachs n'aiment pas parler de rencontres parfaites, mais on n'était pas loin ce soir quand même. Hein. Oui, un match parfait, je n'oserais pas le dire parce qu'on a quand même été quelquefois fragile sur les reconversions. Ça pouvait nous coûter des buts. Heureusement que bon, ça n'a pas été le cas. Mais je crois que dans l'ensemble, les garçons se sont très très bien comportés par rapport à notre évolution. Et enfin, vous avez trouvé la voie de le chemin des filets, la concrétisation dont on parlait dans l'avant-match. Voilà, évidemment, ça change tout. Oui, bien sûr, c'est ça qu'il nous fallait. Je crois que si on réfère à nos matchs précédents, ce qui faisait défaut, c'est les buts qui n'arrivaient pas. Je crois qu'à OHL comme à Berchot, on a fait un très 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 bon match, mais on n'arrivait pas à inscrire un but. Aujourd'hui, satisfaction, on a marqué deux buts et bravo aux garçons. Et vous avez gardé le zéro derrière avec une prestation de votre gardien qui vous sauve complètement là. Ah oui, oui, il a fait son travail, il a très bien travaillé aujourd'hui, comme d'habitude quoi. Alors, je vous parlais de grosse cylindrée dans l'avant-match en parlant du lire, c'est vrai qu'il y a on va dire une différence de qualité individuelle dans les deux noyaux. C'est quoi qui a été très bien de votre côté aujourd'hui? C'est la mentalité, parce que c'est un peu votre philosophie, ça, on travaille en bloc et solidaire. Oui, mais je crois que si tu as l'habitude de nous suivre, notre philosophie reste la même. En perte de balle, on essaie de contenir l'adversaire, parce que ce sont deux gros cernés, ils sont plus puissants que nous, ils sont plus forts que nous, certes. Mais comme on le dit, nous sommes les petits poussés et voilà, les petits poussés ne sauront pas faire comme ça. Alors, semaine importante maintenant, on va se faire cadeau, j'imagine, avec la Coupe de Belgique. Sait-on jamais ce qui peut arriver? On parle souvent de la magie de la Coupe, donc ce sera Moucron cette semaine. Mais j'imagine que vous projetez surtout sur le prochain match avec un adversaire a priori à votre portée qui est Westerlo.
Oui, moi je crois que c'est tous des matchs très très difficiles, que ce soit Barcelo, que ce soit Lyrs, que ce soit Rochelle, c'est des matchs d'un grand niveau. Maintenant, quand on nous parle de la Coupe, oui, c'est la Coupe de Belgique. Mais je crois que nous, on a une priorité, c'est le championnat. Donc c'est se faire plaisir mardi alors, mercredi avant tout? Ben oui, c'est pour nous, c'est jouer une D1, c'est tout. Mais notre priorité reste le championnat. So the sensation after this first victory and his first goal? 이제 첫 골도 넣었지만 이제 팀 첫 승리인데 느낌이 어떤지? 일단 첫 승에 기여한 것 같아서 팀에 도움이 좀 된 것 같아서 승리하는 데 보탬이 된 것 같아서 기분이 제일 좋은 것 같아요. He's very happy that he contributed to the first win of the team and also he scored the first goal, but he's more happy for the win than his first goal. Is it the victory that will lend to bees? 오늘의 승리로 좀 팀이 좀 더 발전하고 잘 나갈 것 같은지. 네, 좀 팀으로 좀 하나 원팀이 되는 느낌을 많이 받고 경기장 안에서도 소통도 많이 하려고 감독님이 커뮤니케이션은 가장 중요시 얘기하기 때문에 중요히 생각하시기 때문에 그 부분이 좀 팀 단합에 도움이 많이 되는 것 같아요. 오늘 승리로 인해 경기력이나 팀 전체 분위기나 좋은 영향을 끼칠 것 같아요. We have many different nationalities in the team and communication was the key. And the coach always emphasized the importance of communication. And due to the win today, we think that we will go further, better as a team. And we may win or lose as a team. Can he tell his goal? How sensations? 골 넣었을 때 기분 어땠는지? 일단 저번에도 득점 기회가 있었는데 못 넣어갖고 홈에서 비겼었거든요. 그래서 좀 이렇게 똑같은 상황이 와서 안 들어가는 줄 알았는데 다음에 또 볼이 와갖고 바로 골을 넣어갖고 일단 골 넣은 다음에 정신이 없을 정도로 좀 기분이 좋았죠 일단은 팀이 자꾸 침체기 없고 안 좋은 상황에 있어갖고 일단 팀에 기여했다는 거에 너무 기분이 좋아서 팬들과 함께 같이 너무 좋아서 정신이 없었던 것 같아요. He had several chances in previous matches in the cup or in the league. So he finally scored a goal, but the ecstasy was bigger because he could contribute to the win. So he just heard the cheering of the fans. So in that moment as he scored, he was actually frustrated because his first header didn't go in, but his follow-up went in. So he was very happy and he's happy that he could give the fans something back. This week there is a cup match, a Division 1 team. Motivation is... 이제 컵 대회가 수요일 날 있는데 한 단계 위에 있는 팀이라 하는데 어떤 동기부여나 이런 준비가 어떤지 지금? 그렇죠. 동기부여가 많이 되고요. 일단 일부 팀이랑 하는 거에 있어서 준비를 잘할 거고 기대도 많이 되고 저희가 할 수 있는 거 최선을 팀적으로 잘할 수 있는 부분들을 최선을 다해서 준비해서 좋은 경기 할 수 있도록 준비하겠습니다. He very much looking forward to the match. Definitely against a 1A team. He will prepare well with the team and he will deliver a team performance that would lead to a possible win.